immigrants of old turn their eyes toward America's gateway, Ellis Island. Could these people of many nations become a part of the American way of life? Any statement he makes is being made under oath. Unification de l'Italie. La guerre fratricide aura duré plus de 20 ans. Pourtant, la paix enfin retrouvée n'apporte pas la prospérité. L'indépendance a un prix et tout est à construire. L'unification met en lumière l'immense disparité qui sépare l'Italie du Nord de celle du Sud. À la révolution industrielle qui a déjà gagné des villes comme Milan ou Turin, s'oppose soudain la misère profonde de celle du Sud. On raconte même que les familles y arrachaient le plâtre des murs pour tenter d'en faire du pain. Pour cette population-là, le seul salut devient l'exil. Entre 1880 et 1920, 4 millions d'Italiens, dont 70% venus du Sud, décident de migrer vers les États-Unis. Pour tous, au bout du voyage, Ellis Island. Petite île au large de New York, voisine de la Statue de la Liberté, Ellis Island est la porte d'entrée des immigrants. On l'appellera l'île aux larmes. Dans les bateaux, ils étaient placés dans l'entrepont et les conditions à bord étaient particulièrement dures. For all news, there is a medical examination to weed out those with serious illnesses and dangerous diseases. Une des maladies qu'ils recherchaient était le trachome, une maladie qu'on attrape par l'eau polluée. C'était une maladie qui affectait surtout les gens du Sud, très pauvres. Si vous étiez testé positif, on vous renvoyait. Il y avait donc beaucoup de craintes. Chez les femmes particulièrement, car on les séparait de leurs enfants. Et dans la tente, elles étaient terrifiées à l'idée de ce qu'on pouvait leur faire. C'était des gens désespérés et très pauvres, qui ne voulaient pas quitter leur pays, mais qui n'avaient pas le choix. C'est fascinant les similarités qu'il y a avec aujourd'hui. À Ellis Island, il fallait très vite dire si vous veniez du nord ou du sud de l'Italie. Parce qu'il y avait du racisme à l'encontre des Italiens du sud qui étaient plus foncés que ceux du nord. Et les Siciliens étaient les plus foncés d'entre eux. Ils étaient considérés comme des fauteurs de troubles. Les Américains n'aimaient pas les étrangers qui ne parlaient pas anglais. Et on ne leur a clairement pas déroulé le tapis rouge. Ils avaient des coutumes étranges. Et se comportaient de manière bizarre pour les Américains. Car, comme il arrive souvent aux immigrés, dans un premier temps, les Italiens, mais les Siciliens surtout, et les méridionaux en général, essayaient d'économiser le plus d'argent possible pour pouvoir rentrer chez eux ou pour l'envoyer à leur famille. Donc ils menaient une vie misérable,
Ils ne s'intégraient pas, et donc pour les Américains, ils semblaient des sauvages. Il y avait donc la peur de l'Italien au teint foncé qui débarquait aux États-Unis. Mais cette main-d'œuvre est indispensable à une Amérique en pleine révolution industrielle. Construction du métro, des voies ferrées, les Italiens acceptent les emplois les plus difficiles, s'attaquant aux travaux les plus longs et surtout les plus dangereux. On disait que les migrants venaient aux États-Unis parce que les trottoirs étaient pavés d'or. Alors les Italiens, en rigolant, disaient que non seulement les trottoirs n'étaient pas pavés, mais qu'en plus c'était à eux de le faire. Naturellement, ils se regroupaient dans les mêmes quartiers à New York et dans toutes les grandes villes américaines. Ces quartiers prenaient alors le nom de Little Italy, avec des sections qui prenaient le nom de Little Sicily. Certains prenaient même le nom des villages d'origine. Ce qui les différenciait des autres groupes ethniques, c'était qu'ils ne sortaient pas de leur enclave. Ils se sont isolés. Et ils restaient très attachés au mode de vie de leur village natal. Il faut savoir que dans ce pays, on parlait une langue qui leur était complètement étrangère. Donc la barrière linguistique était très forte. Et cela a beaucoup contribué à l'autoségrégation. Dès le début du XXe siècle, New York devient la plus grande ville italienne du monde. Parmi la population d'origine italienne, entre 30 et 40 000 auraient été des criminels dans leur pays d'origine. À Little Italy, les travailleurs, les familles honnêtes, vont devenir leur proie. Ces gangsters ont une nouvelle organisation, The Black Hand, la main noire. Leur activité principale, l'extorsion. C'était des prédateurs envers leurs propres compatriotes. Ils forçaient les commerçants à les payer pour leur protection. Ils volaient et faisaient des braquages dans leur propre quartier. Ils faisaient des choses horribles. Ils kidnappaient des enfants et terrorisaient les gens. C'était vraiment les prémices d'une organisation criminelle. Mais il n'est pas certain que la main noire ait eu des relations avec la mafia, ni même que des membres de la main noire aient adhéré plus tard à la mafia sicilienne. C'était à ce moment-là une organisation criminelle qui s'attaquait aux plus pauvres. À ce gang italien, la police new-yorkaise oppose alors une solution italienne. Joe Petrosino est ainsi engagé. Premier policier d'origine italienne, il sera vite surnommé le Sherlock Holmes italien. Il est envoyé au pays pour enquêter sur le passé criminel des membres de la main noire. Et c'est vers la Sicile que son enquête l'emmène. Dans l'île, la mafia est fortement ancrée depuis plus de 50 ans. C'est une mafia de village qui sait frapper sur la seule richesse du pays, son agriculture. Les paysans et leur travail en sont les premières victimes. À la fin du 19e, la mafia est un ensemble de groupes affairistes, criminels qui assument le plus souvent une fonction que je qualifierais de sécurité publique par procuration. C'est-à-dire qu'ils collaborent avec ou se substituent aux forces de l'ordre pour la protection de biens privés, de terres ou d'entreprises.
terre, aziende. Donc, on a des entrepreneurs ou des propriétaires terriens qui comptent sur des criminels pour se protéger de criminels. Et c'est la période où la noblesse sicilienne perd entièrement ses privilèges au profit de ceux qu'on appelle les borghesi, dont certains étaient mafieux et d'autres de riches bourgeois qui utilisaient la violence pour prendre possession des terres des nobles. Et cette mafia sicilienne ne craint rien, s'attaquant même aux autorités qui osent la contrer. Joe Petrosino sera assassiné en Sicile en 1909. This is Italy in 1922. These marching men are charter members of a new Italian political party, the Fascists, founded and led by a flamboyant ex-editor, ex-army corporal, ex-socialist Benito Mussolini. Au début des années 20, Mussolini prend le pouvoir en Italie. Un régime fasciste qui entend bien régner seul sur le pays. Le nouveau gouvernement autoritaire s'attaque logiquement à la mafia. Et l'arme de Mussolini a un nom. Cesare Mori, nouveau préfet de Sicile. Mori est un homme dur, sans merci. Celui que l'on surnomme le préfet de fer multiplie les rafles dans les milieux mafieux. Procès de pacotille, prévenus exhibés dans des cages, 1200 mafieux seront ainsi condamnés. Mais la méthode musclée du préfet Mori aura d'autres conséquences. Le fascisme était contre la mafia, comme toutes les dictatures. Un dictateur ne peut pas accepter qu'il y ait un pouvoir alternatif. La conséquence est que de nombreux chefs de la mafia quittèrent la Sicile, car ils ne pouvaient plus exercer leur pouvoir. Ils ont laissé derrière eux les seconds couteaux, leurs compagnons, leurs acolytes, leurs officiers, et les généraux, eux, sont partis et ont exporté une culture et une économie criminelle mafieuse dans beaucoup de pays du monde, dont les États-Unis. Il n'y avait pas de stratégie de la mafia sicilienne pour s'implanter aux États-Unis. Je veux dire par là que c'est arrivé fortuitement. Une des raisons qui a conduit à l'arrivée de mafieux aux États-Unis, c'est Mussolini. Des centaines de mafieux vont débarquer à New York. Se présentant comme des victimes du régime fasciste, ils s'insinuent facilement dans le quartier de Little Italy, où ils vont se fondre dans la pègre déjà présente. Et l'histoire profite à la mafia. Dans un élan conservateur, les États-Unis viennent d'instaurer la prohibition. Un marché qui va s'avérer particulièrement juteux pour les criminels italiens. L'alcool est devenu illégal, mais tout le monde voulait encore boire. Nobody was really deprived of drinking, we just went underground. The speakeasy became the hub of social life. Donc, ce sont les anciens membres de la main noire et d'autres trafiquants qui se sont associés pour fournir l'alcool. À l'époque, la production d'un baril de bière revenait à 5 dollars. Grâce à la prohibition et à ses speakeasy, les bars clandestins, il se revend à 36 dollars. L'alcool fort permet des bénéfices plus colossaux encore. Les fortunes se font vite et les petits gangsters de Little Italy entrent soudain dans une cour nouvelle. Pour réussir en tant que gang organisé pendant la prohibition, il fallait avoir certaines capacités entrepreneuriales. Il fallait apprendre à gérer une organisation. Il fallait importer ou même produire de l'alcool. Il fallait protéger ses stocks.
Il fallait vraiment gérer une organisation. La prohibition a donc été un véritable terrain d'entraînement pour les futurs boss mafieux. From the very beginning, prohibition had meant nothing but trouble. It heralded an era of gangsterism that shocked the nation with its blatant violence. Rival gangs fought each other for control of illegal beer and booze. L'argent coule à flot. Et cette fortune nouvelle dans le quartier engendre la compétition. On se bat dans les rues de Little Italy pour contrôler le marché de l'alcool. C'est le début d'une guerre sanglante qui provoque des centaines de morts dans les rues de New York. Et dans cette guerre des gangs, deux boss émergent. Salvatore Maranzano et Joe DeBoss Masseria. Il se faisait appeler Joe le Boss, parce que c'est ce qu'il voulait être. Beaucoup de gens et de détracteurs l'appelaient Joe le Glouton, parce qu'il avait un énorme appétit. Il pouvait manger 3 ou 4 plats de pâtes avant d'arriver au plat principal. Il avait toujours de la nourriture qui sortait de sa bouche et sur ses vêtements. Il était comme ça. Mais il avait beaucoup de pouvoir. Il avait le plus gros gang d'Italiens de l'époque qui était impliqué dans la prohibition, le racket, les complots et les vols. Dans les rangs de Joe Masseria, un jeune gangster de 29 ans va bientôt rentrer dans l'histoire des mafias italiennes et américaines. Arrivé à New York à l'âge de 9 ans, le jeune Sicilien s'appelle Salvatore Lucania. Victime d'une tentative d'assassinat, il aurait eu la gorge tranchée et aurait survécu par miracle. On le surnomme depuis Lucky Luciano. Légende ou pas, Luciano garde des cicatrices au visage et une paupière abîmée, à moitié fermée, qui lui confère un regard glaçant, à jamais célèbre. C'était un nouveau type de gangster italien aux États-Unis. Il n'aimait pas ce que Maranzano ou Masseria faisaient, parce qu'il ne voulait pas coopérer avec les autres gangs. Or, Luciano avait compris, lui, le profit qu'il pouvait faire en alliant les gangs italiens et juifs. Il ne voulait plus d'effusion de sang ni de gros titres. Il trouvait que ce que Masseria faisait nuisait à tout le monde. Comme il disait, ce n'est pas bon pour les affaires. Il avait sans aucun doute le génie du crime. Il a compris qu'en commettant trop de meurtres, tu exposais trop l'organisation et attirais l'attention de la police. Luciano veut mettre fin à ce bain de sang. Il doit alors s'allier au clan rival et trahir son boss. Masseria, le glouton, est assassiné dans son restaurant favori. On retrouvera dans sa main l'as de pique, la carte de la mort. Mais Maranzano se méfie de son nouvel allié. Il trouve Luciano trop jeune, trop ambitieux, et décide de le faire exécuter. Trop tard. Luciano a compris. Plus rapide, il le tue. C'est la fin des vieux chefs. La guerre des gangs est terminée. Lucky Luciano est le nouveau maître. En 1929, il réunit tous les parrains mafieux du pays à Atlantic City. Un sommet de la pègre où Lucky Luciano édicte de nouvelles règles, inspiré des traditions de la mafia sicilienne.
Un génie du mal, un génie diabolique des affaires. Il y avait à l'époque environ 20 gangs italo-américains. Il les a tous réunis et a décidé que la meilleure chose pour le business serait la paix. Et il a instauré des règles. Il a aussi décidé de faire ce qu'il faisait en Italie ou en Sicile, c'est-à-dire une cérémonie d'initiation, un pacte de sang, où la règle de base serait l'omerta, que personne ne coopère jamais avec les autorités. Le principe le plus important que Luciano a imposé à cette nouvelle mafia américaine était celui de la survie de l'organisation avant tout. L'individu ne compte plus. Pour mettre fin au conflit interne, Lucky Luciano propose, et la proposition sera acceptée, d'instaurer une commission, c'est-à-dire un organe de commandement central qui règle les conflits internes et qui distribue les rôles entre les différents clans qui la composent. On peut dire que Lucky Luciano est le grand stratège de la mafia, devenu une entreprise de grande envergure. La mafia italo-américaine est née. Elle s'appellera Cosa Nostra, notre chose. Une société secrète régie par l'omerta, la loi du silence. Mais l'idée de maître de Luciano est d'imaginer une direction au sommet de l'organisation. Cette commission rassemblera les représentants des familles de chaque grande ville américaine. Et 5 familles à New York où l'organisation est plus puissante. Lucchese, Genovese, Gambino, Bonanno et Colombo. Pendant les 30 années à venir, la mafia ne connaîtra plus de guerre intestine. Luciano et les autres savaient que la prohibition touchait à sa fin et qu'elle allait être abolie. Or, le commerce d'alcool était la plus grosse source de revenus que les gangsters et la mafia avaient. Ils ont analysé la situation et ont décidé de se moderniser. Et Luciano, qui était une sorte de Warren Buffett de la mafia, car il était brillant, a décidé de diversifier les affaires de l'organisation. Grâce à la prohibition, la mafia a amassé une fortune. Comme une multinationale, l'entreprise se diversifie et choisit d'investir dans de nouveaux secteurs qui, aujourd'hui encore, restent son terrain de chasse. Les paris illégaux et les prêts usuraires. La mafia infiltre aussi la construction, les transports et le textile. Elle réussit à noyauter tous les secteurs d'activité grâce à une nouvelle méthode, l'infiltration des syndicats de travailleurs. Une des choses les plus astucieuses qu'ils ont fait, c'est de constater l'importance que les organisations syndicales avaient pris dans les années 30 aux États-Unis, en particulier sur la côte Est et à New York. Ils comprennent qu'en infiltrant les syndicats les plus importants, ils pouvaient faire pression sur les patrons pour assurer la paix sociale, moyennant paiement. Ces syndicats étaient essentiellement utilisés comme des armes. Au lieu d'utiliser les armes, ils avaient les syndicats de travailleurs. Ils allaient voir les chefs d'entreprise et leur disaient « On va faire une grève mardi. Si tu ne veux pas de grève, il va falloir nous payer tant de milliers de dollars. Sinon, il y aura grève. » C'était donc de l'extorsion. Et c'est comme ça qu'ils volaient de l'argent aux entrepreneurs. Il y a beaucoup de preuves qu'ils exécutaient quiconque se rebellait au sein des syndicats. Quiconque mettait en danger le contrôle de la mafia était éliminé. La Cosa Nostra italo-américaine est désormais l'organisation criminelle la plus puissante du monde occidental. Ancien voyou des rues, ces maîtres mafieux se présentent désormais en hommes d'affaires respectables, presque acceptables pour la société américaine. Le magazine Time classera d'ailleurs Lucky Luciano parmi les principaux bâtisseurs d'empire du XXe siècle.
Lucky Luciano a gagné tellement d'argent et il avait tellement de pouvoir qu'il avait son propre avion. Il vivait dans un des plus grands palaces de New York, le Waldorf Astoria. Il y avait une suite au dernier étage. Il avait la belle vie. Mais en 1936, Lucky Luciano tombe pour proxénétisme. Verdict, 30 ans de prison. Cela ressemble à une fin de règne. Pas pour Luciano. Car le génie de la mafia va bientôt réussir à transformer la Seconde Guerre mondiale en opportunité nouvelle. Est en guerre. L'Allemagne nazie d'Hitler, l'Italie fasciste de Mussolini, rejoint par le Japon impérial, s'allie dans la force de l'Axe contre les puissances alliées. On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterwards. Costly to our Navy was the loss of war vessels, airplanes and equipment. Près de 2500 soldats américains perdront la vie dans l'attaque surprise de Pearl Harbor. Roosevelt asked Congress to declare war on Japan, and on December 11th, on her German and Italian allies. Il va y avoir des attentats à la dynamite dans le port de New York. Des bateaux de la marine américaine sont coulés. Les Américains enquêtent et ils comprennent qu'ils sont victimes d'actes de sabotage des Allemands nazis qui partaient avec leurs sous-marins d'Europe, arrivaient à New York, torpillaient les bateaux et retournaient tranquillement de là où ils étaient venus. Les Américains étaient très inquiets au sujet des quais de New York. Une des raisons principales était qu'environ la moitié des gens qui y travaillaient étaient des Italo-Américains. Et Mussolini avait beaucoup de partisans parmi les Italo-Américains avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient donc peur qu'il y ait beaucoup de partisans de Mussolini ou des nazis, des sympathisants fascistes, qui collaborent d'une manière ou d'une autre avec les sous-marins allemands en leur donnant des informations. Les services secrets américains tentent d'infiltrer le port de New York, en vain. La mafia tient les quais, y imposant, comme toujours, l'imparable loi du silence. Contacté par les agents fédéraux, le patron du marché aux poissons, Joseph Sox Lanza, un Sicilien de la famille Genovese, accepte toutefois de collaborer. Mais son territoire est trop restreint pour limiter tous les sabotages. Pour Lanza, un seul homme peut aider le contre-espionnage américain, Lucky Luciano. Emprisonné depuis 10 ans dans une prison de haute sécurité, Luciano est bien resté le capo dei capi, le parrain des parrains. Il a passé un accord avec les services de renseignement américains, dans lequel il assurerait la paix sur les quais et combattrait de possibles espionnages. Il préviendrait les services de renseignement de ce qui se passait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné les instructions pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de travail et que tout se passe dans le calme. Et c'est ce qui est arrivé. La sécurité du port de New York rétablie, l'armée américaine peut désormais planifier le débarquement des forces alliées en Europe. En ligne de mire, la Sicile, considéré par Churchill
comme le ventre mou de l'Axe. L'offensive d'envergure a son nom de code, Opération Husky. Hommes, 4000 avions, 3200 navires. C'est un débarquement d'immense envergure qui s'opère sur les côtes siciliennes le 10 juillet 1943. Il faudra 38 jours de combat aux forces alliées pour libérer la Sicile tout entière. C'est le premier pas vers la victoire qui aura lieu 2 années plus tard. À peine le conflit achevé, en 1946, Lucky Luciano est libéré pour service rendu à la patrie. Un retournement extraordinaire. Mais il y a une condition. Luciano doit rentrer en Italie et ne jamais revenir aux États-Unis, sous peine d'y purger le reste de sa peine, plus de 20 années. Après la guerre, Luciano et ses amis se sont fait de la publicité en déclarant à la presse américaine que non seulement il avait préservé le port de New York, mais qu'en plus, il avait permis l'invasion de la Sicile. Nous avons retrouvé dans les archives publiques des documents qui prouvent que des généraux américains ont été en contact avec des personnages de haut rang de la Cosa Nostra italienne et américaine. Et donc, le rôle qui aurait été donné à Cosa Nostra aurait été de préparer la population à voir positivement le débarquement des Américains dans la côte sud de la Sicile et de ne pas s'y opposer, mais au contraire, de le faciliter. Les mafieux, pendant la période fasciste, étaient presque tous en prison. Ils étaient peu nombreux, ils n'avaient pas de capacité militaire et ne pouvaient donc pas avoir un rôle dans le débarquement, surtout si on prend en compte que ça a été la deuxième plus grande opération militaire qu'il n'y ait jamais eu, après le débarquement en Normandie, qui aura lieu 2 ans plus tard. Donc, ils n'ont jamais joué un rôle militaire. L'idée que l'opération Husky ait été faite en collaboration avec la mafia, ou pire, que son succès est dû à la mafia, est une idée fantastique, mais qui tient de la légende. On ne saura sans doute jamais quel rôle réel la mafia a joué dans le débarquement en Sicile. Mais un autre mystère demeure. Pourquoi l'état-major américain en Sicile a-t-il placé à la tête des mairies libérées de nombreux chefs mafieux? La mafia a aidé les Américains. Et les Américains, avant de partir, vu qu'ils devaient nommer des maires pour ne pas laisser un territoire sans gouvernement, ont nommé par exemple le mafieux Don Vizzini maire de son village, qui était aussi secrétaire de la démocratie chrétienne. Et ça, c'est un fait avéré. Ce n'est pas une fable. Pour d'autres observateurs, la politique américaine pro-mafia en Sicile avait un but précis: empêcher la montée du communisme. Car la Sicile est alors en pleine réforme agraire et les paysans, misérables, se battent pour s'approprier des terres agricoles. Soutenu par le Parti communiste, le mouvement de révolte rassemble plus d'un demi-million de personnes. Une fronde révolutionnaire qui inquiète les États-Unis. On vient d'entrer, sans le savoir, dans une nouvelle guerre, la guerre froide.
Pour arrêter ce mouvement de masse et pour empêcher que le Parti communiste et le Parti socialiste se développent toujours plus, il était nécessaire d'avoir recours à la violence qui est légitimée par l'impunité. Et la répression sera sanglante. 46 syndicalistes siciliens sont assassinés pendant cette période. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du débarquement américain, les mafieux se sont renforcés et ça leur a permis de devenir une force politique. However, it's just a quick hello to the land of liberty for this largest group to return. Most of these battle-wise vets are headed for the Pacific. We had post-war prosperity. L'après-guerre a été prospère. Les Italo-Américains, qui étaient là depuis plusieurs dizaines d'années déjà, commençaient à s'assimiler à la culture américaine. En plus, ils avaient prouvé leur loyauté en combattant dans l'armée. C'était donc une période d'optimisme et de confiance dans l'avenir. Les gens comme Sinatra étaient très populaires. Et il y avait beaucoup d'autres chanteurs italiens très connus. Mais Sinatra jouait dans les clubs et connaissait donc de nombreux mafieux. L'image de Sinatra était en conséquence associée à la mafia. Il y avait toujours ce double aspect avec les Italo-Américains. Quand ils pensaient avoir finalement une personnalité que les Américains adoraient, il y avait de nouveau ce côté sombre de la mafia qui ressurgissait. La mafia est comme une tache de naissance que la communauté italo-américaine ne parvient pas à estomper. En 1950, une commission d'enquête sénatoriale est réunie pour la première fois afin d'évaluer le poids du crime organisé dans les affaires du pays. 600 témoins sont appelés à comparaître et les auditions, retransmises en direct à la télévision, font l'événement. 30 millions d'Américains vont se passionner pour cette première incursion dans les secrets de la mafia. The links between the underworld and politics are given a thorough airing. Chief among the committees was the Senate group headed by Senator Estes Kefauver. Il voulait savoir comment fonctionnait l'organisation et quelle était sa structure. Les audiences étaient télévisées, donc tout d'un coup, l'Amérique tout entière a pu savoir ce qui se passait dans cette organisation dont le public connaissait peu de choses. La plupart des mafieux, quand ils ont été appelés à la barre, ont fait recours au 5e amendement et ont refusé de témoigner parce que ça risquait de les incriminer. Donc ils ont échappé à toute condamnation. Mais un homme va oser défier la commission, Frank Costello, surnommé le Premier ministre. Cela en dit long sur ses qualités de négociateur et sur son influence dans la sphère politique américaine. Lucky Luciano, contraint à l'exil en Italie, c'est lui qui règne désormais sur les familles. Son ego l'a trahi. Il pensait qu'il pouvait être plus malin que les interrogateurs et qu'en tous les cas, il n'avait rien fait de mal. Well, I don't know what you claim, what you mean by that. Well, you're looking back over the years now to that time when you became a citizen, and we're now standing 20 odd years after that.
You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. Il pensait qu'en tant que chef mafieux, il avait aussi fait des choses bien et qu'il était incompris. Le pays tout entier a parlé de ce témoignage. Malgré ces 1000 pages d'interrogatoire et quelques preuves d'opérations mafieuses, la commission ne mène à rien. L'obstination de John Edgar Hoover y est sans doute pour beaucoup. Le célèbre patron du FBI continue encore à nier l'existence d'une mafia américaine. Pour Cosa Nostra, les affaires restent donc florissantes, dans le noyautage des syndicats, dans l'usure, mais aussi désormais dans la drogue. Car depuis son exil, Luciano est resté très actif et a mis en place un trafic international de stupéfiants. "1957 est une année très importante pour la mafia américaine, surtout pour celle de New York. Car le Congrès américain a passé une nouvelle loi qui punissait désormais le trafic de drogue d'une peine pouvant aller de 20 à 30 ans d'emprisonnement. Les risques sont trop élevés. La mafia doit trouver une nouvelle solution. Lucky Luciano réunit ainsi une trentaine de chefs mafieux siciliens et américains dans un palace de Palerme, l'Hôtel des Palmes. À l'ordre du jour, réorganiser le trafic d'héroïne en faisant courir les risques aux caïds siciliens. L'accord était le suivant. Il leur a dit : vous viendrez aux États-Unis car personne ne vous connaît là-bas, puisqu'ils n'étaient pas connus des autorités comme gangsters. Mais nous connaissons le marché américain. Et on vous aidera à vous établir, à ouvrir des commerces, des pizzerias, et nous vous dirons comment vous comporter et qui vous pourrez soudoyer dans la police. On sait faire tout ça. Tout ce que nous voulons, c'est une commission. Pour faire cela, Lucky Luciano demande aux Siciliens de se structurer sur le même modèle qu'il a mis en place 30 ans auparavant avec la mafia américaine. Il demande de former une commission, une sorte de tribunal qui servirait à réguler les conflits internes. Car avant ça, ils réglaient leurs problèmes à coups de revolver, le seul langage que connaissaient ces mafieux. Les cousins américains viennent de donner une structure nouvelle à la mafia sicilienne. Selon Arrepenti, c'est même à ce moment précis qu'elle lui aurait donné son nom actuel, Cosa Nostra. Une Cosa Nostra sicilienne prête à faire son entrée dans le trafic international. Désormais, une fois reçue la matière première du Moyen-Orient, elle l'acheminera vers Marseille, où elle sera raffinée puis exportée et consommée aux États-Unis. Their only goal in life is to keep the deadening chemicals forever in their heart's blood. The cause of this living death is a white powder, innocent looking, but deadly. C'est à travers le trafic de drogue que va naître cette interaction entre les deux mafias. Même si Cosa Nostra américaine garde son indépendance par rapport à la Cosa Nostra sicilienne, c'est le trafic de drogue qui sert de ciment. Cette alliance, scellée avec les Américains à l'Hôtel des Palmes, change le destin de la mafia sicilienne. Plus organisée, elle décuple aussi ses revenus. Fini la mafia des campagnes. Désormais, la pègre sicilienne investit dans les villes, s'insinue dans de nouveaux secteurs, notamment le bâtiment. C'est la première tentative de la mafia pour devenir des entrepreneurs.
Et pourquoi ils peuvent investir dans la construction et qu'avant ils n'avaient pas cette ambition? Parce qu'ils n'avaient pas de fonds. La drogue leur donne du cash, la trésorerie nécessaire pour pouvoir investir. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des bâtisseurs. De là la fameuse phrase des mafieux et des politiciens de l'époque. Palerme est belle, rendons-la encore plus belle. Palerme change de visage. Les spéculateurs mafieux remplacent les élégantes villas de style Liberty par des barres d'immeubles plus lucratives. Construites à la va-vite, sans respect des normes, on y oublie parfois l'installation de systèmes d'égouts. En quelques mois, les murs s'effritent et des balcons s'effondrent. En moins de 10 ans, la ville est défigurée. Cet épisode honteux a été surnommé le sac de Palerme. On lit dans les textes d'accompagnement du plan régulateur, il faut abolir cette honteuse construction du passé. Et on entendait par là la suppression d'églises, de monuments, de places et de palais. Et si quelqu'un émettait une objection, on répondait en citant Haussmann et les boulevards de Paris pour justifier l'abattement des palais et la construction de grands boulevards. Les grandes familles mafieuses de Palerme, qui se partagent les grands intérêts spéculatifs de l'époque, commencent à créer des liens très forts avec les politiques. Et ils vont créer tout un circuit économique fait de constructeurs, de travailleurs qualifiés et de fournisseurs. Tout un monde qui se crée autour de ça. Et la corruption atteint les plus hauts niveaux de l'administration locale. On dit ainsi qu'en une seule nuit, la mairie de Palerme aurait délivré plus de 4000 permis de construire. Vous ne devez pas oublier que Palerme, à l'époque, avait tendance à nier l'existence de la mafia. Le maire de Palerme, Martellucci, disait « La mafia, ce sont juste 3 gamins qui volent des stéréos dans les voitures. Qu'est-ce que c'est, cette mafia ? C'est un terme qu'on a inventé pour nuire à la Sicile. » Le cardinal de Palerme lui disait « Mais non, la mafia, ça n'existe pas. » Et ça, c'est une stratégie de la mafia, nier l'existence même de la mafia. C'est l'époque du règne du boss Stefano Bontate. Surnommé le prince de Villa Grazia, du nom de son quartier d'origine. Il fréquente à rang égal, ecclésiastique, politicien et homme d'affaires dans les beaux salons de Palerme. Bontate, c'était l'homme de la médiation avec la politique. Il avait comme devise « mange et fais manger ». Donc il volait ou faisait des affaires mafieuses avec la politique, mais cet enrichissement devait profiter au petit peuple. C'est de là que naît le consensus. Ma secondo lei la mafia esiste? Ah, finisce la mafia. Esiste? Non esiste, non ce n'è più mafiosi. Signora, lei abita di fronte alla villa di persone che sono ricercate da 2 anni. E me non so niente. Se sono ricercate, se non sono ricercate, non ho niente da dire, completamente. La borgata diceva è tranquilla. È tranquillissima. Che famiglia è? Come si comportano? Che gente è? Si comportano più che bene. Persone onestissime. Per me è che sono state sempre ricche. La mafia se mêlait de tout. Ils intervenaient aussi quand il y avait une dispute entre 2 conjoints. Le couple n'allait pas voir les gendarmes, mais ils allaient voir le mafieux. Donc le mafieux jouait le rôle de juge de paix, mais aussi quand on avait besoin de trouver un boulot. Tout le monde savait à qui il fallait s'adresser et demander... Vous n'auriez pas un petit boulot pour son frère ou mon fils? C'était ça, la mafia. Et c'est pour ça que, quand j'en parle en bien.
Gaspare Mutolo sait de quoi il parle. Entré dans la mafia au début des années 70, il a avoué 20 meurtres, 20 personnes qu'il a lui-même étranglées. Mutolo est un rappel à la réalité. Malgré sa respectabilité de façade, la mafia de l'époque reste une organisation criminelle qui supprime tous ceux qui tentent de la contrer. Aux États-Unis, en 1960, l'élection de John Fitzgerald Kennedy semble changer la donne pour la mafia américaine. The President of the United States. Quand John F. Kennedy a été élu président en 1960, il a nommé son frère Bobby procureur général, le plus haut poste de la justice aux États-Unis. Bobby Kennedy savait qu'il y avait quelque chose entre la mafia et les grands syndicats. Et pour la première fois, il a ouvert une enquête. Il a forcé le FBI à prendre des mesures contre la mafia, car jusque-là, Hoover n'avait jamais voulu s'y attaquer. 10 ans après l'échec de la première commission sénatoriale, l'enquête de Bobby Kennedy, cette fois soutenue par le FBI, est fructueuse. Un mafieux, Joe Valachi, décide même de collaborer. Ce qu'il révèle permet l'organisation d'une nouvelle commission d'enquête, diffusée à la télévision. Et il a donné des informations, même si ce n'était qu'un mafieux insignifiant. Il n'était pas au courant des activités des Big Boss. Mais il a donné les informations de base, la cérémonie d'initiation, la preuve que l'organisation existait, l'organigramme. Il a dressé un portrait intime de la mafia italo-américaine. Des détails étranges pour les Américains, et pour tout le monde d'ailleurs. Il y a ces rites d'initiation où on pique le doigt et où on est lié par le sang. Ça a vraiment marqué les Américains. Pour la première fois, on a entendu un témoignage qui venait de l'intérieur. Il n'était plus possible de nier son existence. Attorney General Robert Kennedy paints a grim picture of the rise of lawlessness under the Cosa Nostra, or Mafia. This he describes as the government of organized gambling, narcotics peddling, extortion, racketeering, and controlling of certain trade unions. He says the income runs into billions. So it was a big triumph. C'était une grande victoire pour Bobby Kennedy. But when John Kennedy was. Mais quand John Kennedy a été assassiné en novembre 1963, Bobby a démissionné peu de temps après de son poste de procureur général, car c'était un rival de Lyndon B. Johnson, le nouveau président. À partir de ce moment-là, la justice et le FBI sont retombés dans le marasme et n'ont plus rien fait pendant de nombreuses années. Plus personne ne poussait Hoover à agir, et les procureurs généraux qui ont suivi ne s'y sont pas intéressés. De nouveau, la mafia avait trouvé un refuge, et l'âge d'or de la mafia s'est poursuivi. Peu utilisé par la police américaine, les révélations de Valachi vont toutefois permettre la naissance d'un best-seller, Le Parrain, la trilogie écrite par Mario Puzo. Sous sa plume, la pègre s'en sort plutôt bien. Le héros n'est pas un gangster sans scrupules. À la maison, il est un père de famille aimant et vertueux. Dans les affaires, il est un chef, criminel certes, mais judicieux, assez intègre même pour s'opposer au trafic de drogue. Une prémonition peut-être sur les dégâts qu'apportera la drogue à l'organisation. La drogue
La drogue, pour les mafieux, a été très importante, mais aussi dévastatrice. Je suis sûr que si les mafieux avaient prévu comment les choses allaient tourner des années plus tard, ils ne s'en seraient jamais mêlés.